Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hop là, la souris qui s'emballe sur Heroes Hour. On se retrouve toujours avec nos nains, nos telluriques. Avec nos quatre héros, on était restés sur la dernière partie où on avait fait un avant-poste elfique. Oui, on avait même recruté Sidila, une héros, une archidruide elfique. Incroyable. Les nains et les elfes font alliance main dans la main. On va dire plutôt que les nains utilisent les elfes pour faire un avant-poste, hein. On peut clairement le dire comme ça, vu leur puissance. Dans cette partie, alors, du coup, on se retrouvait donc au dernier jour de la semaine, juste avant de faire du recrutement. On a un joueur rouge qui arrive ici, qui a l'air un petit peu vénère, qui n'avait pas l'air très content d'avoir pris une défaite la dernière fois, qui va probablement vouloir se venger. Et le héros qui est là, nain, et l'héroïne elfie qui est là, n'ont clairement pas la puissance pour subvenir, pour le gérer. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir on va recruter avec notre héros principal là dès qu'on peut. Et puis on va aller les rejoindre. Puis on va bien voir comment ça va se passer. En attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bâtiment ici? Si on avait quelque chose qui nous permettrait de mieux se défendre, on va pas dire non. Ouais, une demeure améliorée, d'accord. Grizzly, d'accord. Pas des cairns, des reins qui permettent de recruter des druides, bibliothèques de magie, la guilde des mages. Des élémentaires chaque jour. D'accord. Ouais, on n'a pas vraiment de bâtiment qui nous permet de mieux nous défendre. L'antiquaire, c'est pas mal, mais bon, c'est pas le plus utile. Demeure qui peut. Bref. Ouais, je sais pas trop quoi prendre là, honnêtement. Je pense qu'il y a rien qui va nous aider vraiment. On va quand même prendre les cairns, hein, comme ça, voilà. Alors, mais plus d'archers, patriotisme, augmente les dents. On va prendre les rôdeurs, clairement. Surtout pour défendre les archers, c'est bien. Est-ce qu'on avait recruté tout le monde? Presque. Maintenant, oui. Ensuite, ouais, ce que je voulais voir, c'est parce que ce héros-là, ils n'avaient pas un sort de portail de ville. Porte d'une ville de votre choix qui vous appartient. Fonctionne pas si la ville choisie a été capturée récemment. Ok, bon, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, du coup. Alors, avec lui, je pense que je vais pas me déplacer, ou alors pas très loin, là, voilà, pour aller récupérer des petits objets. Et le but, c'est qu'au tour d'après, on puisse immédiatement être présent. Passe le combat. Voilà, on récupère les objets. On regardera plus tard. Et on revient par ici. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pouvait se battre ici. On passe le combat aussi. Passer par la montagne, je sais pas, mais rien de recruter une armée mercenaire. 3000, avoir 4 cyclopes. On a beaucoup d'or, on va le faire. C'est pas que spécialement le faire, mais. On passe le combat. Quoi? Éliminer l'infanterie ici, ses ressources cachées. Celui génère chaque semaine des halbardies. On va le faire. C'est vrai qu'on a des dragons rouges. Hop, hop. Oh non, on va mettre tous les cyclopes, hein, clairement. Ah, on n'a pas assez de place pour mettre les autres, c'est ça? Ok, on n'a pas assez de place pour mettre les autres. Bah, on va déjà faire avec ça. Ah oui, c'est vrai qu'on avait quasiment plus d'armée avec lui. Hop, cela dit, vu les grosses troupes qu'on a, ça devrait bien se passer. Bon, les cyclopes, ils vont prendre cher, hein, clairement. On va passer en vitesse 2. On a perdu un Yeti dans l'histoire et deux cyclopes quand même, hein. Presque un dragon rouge. Bah c'est pas si simple que ça comme combat, hein. Je sais pas si on aurait dû le faire finalement ce combat là. On va
Ouais, je pense que les dragons vont rouge, je verrai, mais perdre un dragon rouge pour ça, ça me fait chier quand même, hein, je vais être honnête. La chance, c'est qu'il repart au combat à chaque fois, on peut pas lui dire de... De toute façon, on va le perdre, hein. On va les perdre, hein, clairement. Eh ben, je suis pas sûr que c'était un combat qui en valait la peine. Hein. Bon, j'aimerais bien ne pas en perdre deux. C'est n'importe quoi ce combat. En même temps, j'aurais peut-être dû faire plus attention à l'armée qui me restait. Hein. Je suis pas en train de fuir là. Ouais, bah, et voilà. C'est une défaite lamentable. Mais c'est une défaite. J'ai fait n'importe quoi sur ce combat. J'aurais jamais dû m'y fier. Enfin, tant pis, c'est fait, c'est fait. Lui, qu'est-ce qu'il a comme armée? J'aurais mieux fait de vérifier. Oh, mais oui, non, mais lui, il a plus rien, quoi. Lui, je crois qu'il était là. Oui, il se faisait poursuivre, c'est vrai. Je m'en servais juste pour découvrir, lui. C'est vrai qu'il était juste poursuivi maintenant, ouais, je m'en souviens. Alors, elle, qu'est-ce qu'on avait? Géomancie. Étincelle de vie. Là, on pouvait prendre d'autres choses. Toucher de Midas, mysticisme. Mysticisme, c'est bien. De l'expérience, parce que c'est très bien l'expérience. Un peu d'or, parce qu'on va en avoir besoin. Créer des incendiaires. Ouais, non, je vais pas le faire. Quasi impossible, impossible. Puis on va se rapprocher de notre château. Et mettre fin au tour. Alors on va voir ce que fait le rouge. Je suis quasiment certain qu'il va débarquer au château. Hein. J'aurais du mal à imaginer autre chose. Ah bah, finalement. Finalement, ça va. Sans nous, on va se préparer petit à petit. Je voudrais aller lui prendre son château qui est en bas là. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Donc ici on va créer tout le monde hein, de toute façon. Pas à réfléchir très longtemps. Par contre, c'est vrai que comme lui n'a plus rien, tellement d'objets. Ah, j'ai pas pensé de regarder d'ailleurs les objets qu'il y avait là. Et bah, c'est pas celui qui nous manquait, ça justement. À chaque fois, je me fais avoir. Hein. Je me dis, ah, c'est celui-là, et en fait, non. La tenue de Rabbit. Les pattes. Ah bah, si, je crois bien que c'est ça. Hein. Ah bah oui, ok, on a bloqué un petit succès. Alors, ça veut dire que maintenant... Attendez, je voudrais être certain. Il n'y a pas un délire que... Il faut engager un nombre illimité de créatures en ville. Bah, on a bien les trois objets là. Pattes de Rabbit, kit de Rabbit et la tenue de Rabbit. Ok, donc normalement. Ah si ça le fait, j'avais pas vu en haut. Ah putain, mais c'est tellement bien. Waouh. Ok, terrible. Ah ouais, par contre le surplus de Crayeti c'est 8 pierres à chaque fois, ça coûte cher. Hein.
On a de la cavalerie. On va en prendre encore. Ah mais si, mais c'est trop trop bien ça. Alors, c'est tellement bien que ce que je pense que je vais faire. Parce que là, j'ai besoin d'avoir un héros sur le front. Je vais lui filer tout ça à lui. Qui va rester là, parce que pour moi, il a plus rien. Et en attendant, je vais rééquiper ce perso-là. Un apprentissage, deux en défense. On va plutôt prendre le 2 en défense. On avait aussi ça, c'est quoi? Un apprentissage, bah c'est le même. Vitesse des créatures, attaque, déplacement quotidien. On va prendre. Ah, c'est jambière aussi? Ok, bon, on va rester comme ça. Le torse. Et on n'a pas de casque. Ok, et ça c'est plus ça en archerie, plus ça en morale. Ok. Et ça, c'est quoi? Deux en savoir, un en incantation. En incantation, un esprit récalcitrant. Ok. Alors là, au niveau des créatures. Bah, je vais lui en piquer un maximum. Je vais faire gaffe quand même, mais. Voilà, par contre, c'est ça, c'est comment les séparer les... Ah si, ouais, comme ça, avec mage enfoncé. Ok. Ok, bon, on va garder tout ça pour nous. On va lui filer ça. Et Yeti, on en a 6, c'est bien. Ok. Donnez-moi eux. Bon, on n'est pas trop mal. Est-ce que du coup je peux faire un sort de portail de ville? Ouais, et aller là-bas. Parfait. Super ça. Et donc de là, je devrais pouvoir intercepter lui. Pas ce tour-là, mais ouais, je devrais pouvoir l'intercepter éventuellement. Lui va me servir à explorer, toujours. Hein, pour le moment, il me sert à rien de plus. Elle, va falloir que je recrute, mais là j'ai plus du tout de sous. Alors, est-ce que j'ai au moins un marché pour acheter, vendre quelques ressources? Voilà, si vous pouvez au moins acheter un petit bâtiment. Peut-être construit. Ben voilà, ça va nous rapporter encore plus de sous. Parfait. Et à 69 pièces, j'ai vendu pile ce qu'il me fallait en plus. En attendant, elle peut aller faire ça. Ouais, bah vas-y. Facile. Te prive pas. Sorcellerie. Ouais, pas ouf. Allez, un petit champ de terre. Évolution, pas mal. La hache du pourfendeur, plus 2 d'attaque. Eh ben, on prend. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Ça, non. Ok, on déplace les caravanes. On met fin au tour. On va voir ce qui se passe. Ok, ça débarque. Ouf, putain, il a un gros déplacement lui, par contre. Merde. Ok, attendez, un tour de plus pour recruter. Alors, je sais pas trop comment on va pouvoir gérer ça. Je mettrais bien quasiment tous mes archers si c'est possible, disponibles. Voilà. Le dragon, je suis pas sûr que j'ai envie de le mettre tout de suite. Alors, tac, si vous pouvez fusionner. Non, vous pouvez pas. Parce que. Ok. Pas les mêmes troupes apparemment. Enfin, ils ont une différence. Eux ont terreur alors que eux non. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est pas grave. Je voudrais bien prendre mes mages aussi. Voilà, un prêt. Quant aux autres, ben. Parti, on va voir ce qui se passe.
vrai qu'on a quasiment plus de magie en plus, fait chier. Cadavérique. Sur totalement défensive. Même s'ils vont pas tarder de passer. Ah ouais. Ah ok, c'est la violence quoi. Je pourrais le faire aussi, mais là, ce serait trop risqué. Allez, on va réveiller des soldats. Ça a l'air costaud en face, hein, quand même. On va envoyer toute la puissance qui nous reste. Ouais, j'aurais peut-être pas dû partir à ce tour-là en fait. J'ai oublié qu'il y avait un assaut qui arrivait et je pense que j'aurais pu tenir un peu plus. C'est dommage. Pas lui rester grand chose en plus hein. Bon, ça va être la défaite. Pas mon château. Il a juste tué mon héros sans prendre le château. C'est un concept. Putain, par contre, il m'aurait pas piqué tous mes objets là. S'il m'a piqué mon set de rabbit, ça va pas le faire. Hein. Écoutez, là je sais pas trop. Je vais clairement pas traîner dans le coin. Je fuis. Je fuis avec mon héros pour mieux revenir tranquillement. Y a pas de bateau à proximité. Ah oui, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. On va aller se mettre un peu plus haut en attente. Mais bon, on va pas se priver, on va faire la même chose, hein, clairement. D'ailleurs, on n'avait pas des bottes qui nous permettaient en plus de déplacement. Ah si, bah c'est ce qu'on a déjà. J'ai rien dit. On ira là autour d'après. Notre elfette. On va améliorer les pâturages. Améliorer maxi. On verra. Ensuite, déplacer les caravanes.
fin du tour. Bon, je serais surpris qu'il n'allait pas me prendre mon château, mais bon, à la limite, si je récupère mon héros, c'est déjà pas mal. Bah, même pas. Alors là. Ok. De toute façon, le but, ça va être petit à petit de laisser un héros par zone, hein, clairement. Ah bah merde, il m'a intercepté. Bon, c'est pas terrible ce qu'il a non plus, mais bon, je pense que c'est toujours mieux que ce que j'ai moi. Relou. Putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Vitesse x2, de toute façon on va le perdre hein, ce combat, c'est évident. On a armé de pirates là, enfin, de troupes maritimes, moitié. Ah dommage, j'ai même pas de magie, parce que si j'avais eu un tout petit peu de magie, je pense qu'on aurait pu gagner. Franchement, j'en suis sûr. Mais là... On peut pas fuir en plus en bateau, non, on peut pas fuir du tout. Ouais, c'est bon, là là là. Décidément. Donc ouais, non, c'était un pirate hostile, j'ai pas vu, effectivement. Autant pour moi. Bon. Ok, il a toujours tout. Bah voilà. Un concept. J'ai pas beaucoup de thunes, hein, c'est ça qui est dommage. Bah ouais, Cocotte t'attendra toi. Hein. Par contre lui... Ah, je me tâte entre défoncer le héros... Non, je vais plutôt aller... le château. Pas ce tour-là du coup, mais... Et elle, elle se déplacera pas, c'est pas la peine. De toute façon, est-ce qu'elle peut faire des choses là-dedans? Si, enfin, elle peut aller au château quand même pour. Déjà pour revendre un peu de soufre. Voilà. Prendre ça. Ça. Et quelques archers. Voilà, là déjà elle devrait pouvoir un tout petit peu mieux se battre. Ouais, bon. Bon, allez, fin du tour pour ici. Ok, lui va se lancer à ma poursuite. Ouah, les déplacements qu'il a! Oh oh, lui débarque. Parfait. Ah bon, ils se font plaisir. Ok. En mettre un peu partout. Oh. Hein? Bien les séparer, pas en faire des packs. Ça va attaquer un peu dans tous les sens. On va garder 56 là, 56 là. Des mages. On va rentrer les cavaliers. Ouais, après
un peu là et un peu là. Et c'est parti! Et on va se faire une petite armée du géant ici. Et la difficulté en plus. Allez, un petit vitesse 2. Alors je précise que là je suis passé pour vous dire hein, pour le jeu. Je suis passé sur mon PC fixe hein, qui est un i9 8ème génération. 7ème ou 8ème génération. J'ai quasiment 32 Go de RAM. Je vais en avoir 24. J'ai une 1070 giga, je suis sur un SSD. Donc voilà. Donc je comprends mieux pourquoi mon PC portable, qui est beaucoup plus vieux, lui était en souffrance. Hein. Clairement. Même sur un i9, vous voyez que le jeu il a du mal. Hein. C'est le seul défaut du jeu. C'est un peu dommage qu'ils aient décidé quand même de continuer sur ce moteur. Parce qu'ils ont forcément dû se rendre compte de tout ça quoi. Enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bim. Voilà, on les a défoncés. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'utilise pas trop ma magie, comme ça je la garde. On a perdu 40 unités de base, quoi. Vraiment les premières unités. Donc on les a écrasées. C'est une victoire totale. J'ai débloqué le succès Teresa, sauver au moins 500 créatures grâce à l'hôpital pendant une seule partie. Bah c'est fait. Ok, cool. Qu'est-ce qu'ils ont là? Combat, le portail infernal ouvre une brèche sur le champ de bataille qui libère des démons. Ah oui, c'est ce qu'on voyait sur le devant, ouais, ok. Offrir du soufre afin d'améliorer la brèche. Excellent. C'est sympa comme concept, plutôt défensif par contre, mais assez cool. Ah oh, putain, trop bien! Ils ont un ingénieur, du coup on va pouvoir faire ça et ça. On prend. Des améliorations pour le héros, c'est toujours ça de prix. L'archerie est à fond. Planification, on va le mettre à fond aussi, ce sera fait. On a pris plein de sorts. C'est parfait. Toi là, est-ce que t'as le sort de portail de ville? Ah oui, mais. Alors, est-ce que t'as moyen de te. Je sais pas si on peut le faire en bateau. En fait, je voudrais qu'il se. Je voudrais le faire se déplacer. Yes. Alors, est-ce qu'il garde? Il n'y a plus personne. Ouais, va là-bas. C'est tellement bien ce sort. Sort vieux comme le monde hein, dans la série des Heroes of Might and Magic, mais sort toujours aussi efficace, selon moi. Ah, j'ai plus assez de bois là. Ah, ouais, d'accord. Bois pour eux. J'étais un peu. Voilà. Et à ce tour-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le cairn pour améliorer? Ouais, on va faire ça. Voilà, pour améliorer les druides. Parce que ça cause un peu plus maintenant. Difficile, toujours moyen. Difficile. Lui est toujours en difficile par contre. Toujours en difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Pas grand-chose, hein. Tout ça, mais bon, bof. Bof bof, après on pourrait hein, utiliser le portail de ville, hein, c'est tous les 7 jours, c'est vrai, ouais. Ok, bon bah là on va pas pouvoir faire plus à ce tour là, hein, de toute façon. Qu'est-ce qui c'est ça? Passer par le permanent de méditer, de convertir du mana en un bonus permanent d'incantation ou de savoir. Ok, c'est sympa ça. Bon, je le fais pas, mais c'est sympa quand même. Je suis à combien de temps d'épisode? Ouais, je suis à 30 minutes, je vais pouvoir en faire encore un tout petit peu. Ouais, on va aller faire ça, parce que si ça donne de l'or, on n'est pas. On n'a pas trop de l'or, donc on va en prendre. Ça aussi. Voilà. Lui. Moins 1, c'est pas grave, c'est toujours.
Quelques sorciers. Et eux, voilà. Ah oui, mais ils sont tous les deux l'un sur l'autre, j'avais pas fait gaffe. Alors. Ouais, lui il a des. Heures. À lui. Est-ce qu'il a d'autres en objets intéressants? Deux d'attaque et de défense, ok. Oh bah lui de toute façon on a dit qu'il fallait qu'il garde son truc. Un hydromancie, deux en défense. Un attaque, deux en défense. Alors, tac. Du coup, ça c'est quoi? Alors, c'est la même chose. Ah, c'est pas la même chose, pardon, mais. Ça, ça peut être pas mal. Mais il avait déjà en fait. C'est chiant, au bout d'un moment, les artefacts, il y en a beaucoup trop. Alors, c'est vrai qu'on peut les vendre. On peut les vendre chez les elfes, j'ai vu, du coup. Du coup, toi, je pense que c'est ce que tu vas faire. Tu vas lui faire du pognon, tiens. Tu vas aller revendre tous les artefacts qu'on n'a pas besoin. Ça, ça. L'épée, on a dit qu'elle faisait quoi? Putain, mais les infobulles, s'il vous plaît! Ok, ça c'est pas mal. Hein. Pff, c'est chiant. Ok, donc ça on va le virer. On va, tu vas plutôt prendre ça. Pff, ça on s'en fout. Ça t'en as pas, prends-le. Voilà. Et toi, tu pourras après aller là-bas. Mais pour le moment, non. Je vais le mettre là. Et elle, on va pas faire grand-chose de plus là. Ouais, et château, on pouvait pas le faire hein, de toute façon, je crois. Si, peut-être, ouais. Améliore les défenses. 2000, ouais, non, là, on n'a plus rien, c'est fini. J'espère qu'on va pas le perdre. Ce serait dommage, mais c'est possible que si. Ah, c'est le problème, hein, c'est que quand les parties sont un peu avancées comme ça, on passe dans le jeu du chat et de la souris. Ouais, voilà. C'est ce que je craignais. Ouais, puis il a des grosses unités, hein. Il va clairement, pense nous faire chier. Pardon. On va recouper un peu tout le monde là, parce que je suis un peu perdu. Qui est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah oui, parce qu'on a notre garde, ok. On a trop d'unités sur le terrain. Bon alors si on a trop d'unités sur le terrain, on va mettre autant mettre que ceux qui attaquent à distance. Hein. Au maximum en tout cas ceux qui attaquent à distance, après on verra mais. C'est vrai qu'elle avait une. Elle a garde 5 donc elle rajoute beaucoup d'unités en fait. Ah c'est pas dit qu'on perde hein. C'est parti! Bon, après, il a beaucoup de troupes aussi, hein, mais quand même. C'est vrai qu'elle a un peu de magie aussi, évolution.
considérablement l'attaque des... Ok, des unités à distance. Donc déjà on va faire ça. Déjà qu'ils font mal, mais là ils vont faire très mal. Ouais, les gobelins, je suis pas persuadé. Par contre, eux là. Bim! C'était un peu bizarre dans le tas, mais bon, c'est tellement de la merde que je pense qu'on peut faire que mieux. Hop, on va faire ça. Comme ça, là, on va pouvoir un petit peu les défoncer. Les archers font mal hein, quand même. Oh, ça a bien marché, hein. Ça a permis de... Coûte pas cher, on va mettre quelques gobelins là, juste pour foutre la merde. Pas durer longtemps, mais bon. Par contre les gars, ouais, faut attaquer, hein. Moi j'ai besoin de vous. Hein. Eux ils vont sortir des unités au fur et à mesure, donc... Et pouf! Ah, ça nous génère d'autres unités? Ah non, on peut envoyer des renforts, ok. Ah, let's go. Et on charge. Plus des fantômes qui sont apparus pour nous aider. Bon, après, ces plus grosses unités sont pas encore arrivées. C'est ce qui m'inquiète un peu, mais bon. Je pense qu'il faudrait sortir en fait pour les tenir à distance. Et tous les loups qu'on a encore, on a moyen de... Allez les gars. Je pense qu'on peut le faire. Hein. Allez les gars, on tient le coup. Ok, il a pas sorti ses griffons encore, je sais, mais bon. Pof, on va réanimer encore une fois des fantômes, ça va foutre un peu la merde. Bon, c'est des... Dommage, hein, ça sera pas joué à grand chose, hein. Pardon je parle pas trop mais on va pas tenir le coup mais franchement on les aura quand même bien défoncés. Hein.
Malheureusement, il a les griffons et les griffons vont faire le taf. Hein. Mais on les a quand même bien défoncés. Hein. Je trouve. Du coup, on va aller reprendre ça rapidement. Très très rapidement même. On va prendre notre héros puis on va aller reprendre ça. De leur porter un coup là, faut pas se priver. Hein. Il y a d'autres bateaux par lesquels il peut fuir ou pas? Non, alors ok, on y va. Toi tu restes là, toi tu restes là. Pff, eux ils servent à rien. Ah oh putain, ça débarque. Ça débarque, on se fait submerger. Bon, je vais arrêter l'épisode là, il est bien assez long. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis on va voir dans le prochain épisode si on peut s'en sortir un peu mieux. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir bien évidemment regardé surtout. A bientôt.